Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 15 juillet. Je suis sur le marché de Fisherman Village dans le quartier de Boput à Koh Samui et je vous propose une visite virtuelle à Koh Samui de ce marché touristique. Nous allons voir si l'activité touristique a repris ou non. C'est parti! Je suis Emma, je propose Bansawadi Villa à la location. Louer ma villa, c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. N'hésitez pas, j'ai testé beaucoup d'excursions et je connais bien l'île. À bientôt! Vendredi 15 juillet 2022, je suis à Fisherman Village, au marché nocturne de Fisherman Village. Il est environ 18h. On recommence à entendre parler toutes les langues et tous les exposants sont là. Je viens de rencontrer mes amis Laurie et Rémi et leurs parents. Alors Rémi est instructeur de plongée ici à Koh Samui et ils ont un petit resort, plage de Chawan Noi. Il me disait que la clientèle française n'était pas revenue. Il faut dire que le prix des vols, des billets d'avion est particulièrement alarmant, inquiétant, élevé. J'en profite pour faire une petite halte au sticky rice qui est ici, cuit au barbecue. C'est un délice. Je vous conseille ça si vous venez dans le coin. Et également à sa gauche, la glace à la noix de coco qui est présentée directement dans la noix de coco. Voilà, si vous venez sur le marché, il faut manger au moins ça. Alors je parlais des vols, des billets d'avion. Si vous avez l'intention de venir à Koh Samui prochainement, en tout cas au mois de décembre, janvier, février, surtout prenez vos billets d'avion maintenant. Ça va flamber encore très, très bientôt. Alors je m'arrête ici parce qu'il y a des fruits intéressants. Ça c'est la goyave me semble-t-il. Voilà, goyave. Je ne sais pas si vous connaissez ce fruit, ça s'appelle la pomme cannelle. C'est absolument délicieux. Alors il y a beaucoup de pépins. C'est le goût un peu de la poire. C'est blanc à l'intérieur. Vraiment à goûter. Ici il y a également des mangues. Grosses mangues. Alors le durian, ben, vous le voyez entier ici. Et si vous voulez le goûter, découper, ben vous allez pouvoir le faire ici. Je vous recommande de le manger sur place. Sinon, vous allez avoir une bonne odeur dans votre frigo que vous allez garder très très longtemps. Et puis, j'en profite aussi pour vous montrer les petits ananas. Alors, ceux-là, c'est vraiment un pur délice. Ils sont juteux, savoureux. Alors si vous connaissez Koh Samui, vous connaissez aussi les bars à cocktails. Sawadika. Alors le principe sur ces marchés, vous allez sur le marché, vous achetez tout ce que vous avez envie de consommer, déguster, une petite brochette par-ci, une petite glace par-là, une salade somtam. Et ensuite, vous vous mettez sous les arbres, assis confortablement attablé. Voilà, comme le monsieur nous montre ici. Vous prenez un verre, vous commandez ici des boissons, des cocktails au prix de 90 bahts et vous pouvez manger ce que vous avez acheté sur le marché et le consommer ici en même temps qu'une boisson. Voilà. Alors ça, ce sont des gens qui sont de Koh Samui, qui sont là depuis très longtemps et qui sont super sympas. Je vous conseille de vous installer ici. En plus, vous aurez de la musique d'ambiance et vous êtes très bien installé.
Voilà, quand vous avancez, vous avez également ici des commerces ambulants qui commencent. Donc la première partie, c'était plutôt essentiellement tout ce qui concerne l'alimentaire. Et dans cette partie, on commence à voir les articles de bijouterie, la décoration, les petits articles qu'on trouve de manière assez classique sur un marché. Ils sont des jolies boîtes réalisées en noix de coco. Vraiment très jolies. Pour mettre dans une salle de bain, c'est de bon goût en tout cas, cela j'aime beaucoup. Voilà, vous avez également l'arbre qui est au centre, qui propose un abri, un endroit assez sympa, une bonne ambiance, avec à nouveau ici des bars à cocktails. Les savons sculptés, je vous en ai déjà parlé, des savons sculptés, me semble-t-il, dans une précédente vidéo. Voilà, on est en début de soirée, il est environ 18h. En ce vendredi 15 juillet 2022. On entend parler espagnol ici. Vous avez déjà parlé de ce stand où on vend du jade. Voilà. Elle est super, elle fait des bijoux très très jolis, Sawadika. Si vous avez un cadeau à faire, c'est vraiment le stand idéal. Mesdames, lâchez-vous, elle a des belles choses en vrai jade. Ça va aux des bagues, des boucles d'oreilles, les bracelets et les petites suspensions. Je ne sais pas si vous voyez ici. Je vais mettre ma main derrière pour que vous voyez mieux. Des jolies petites choses. Voilà. Kapomaka. Mabaika. On entend parler anglais, les russes. Ah oui, vous savez sans doute que la Thaïlande a libéralisé la consommation de certains cannabis pour raison de santé ou... Donc maintenant, on vous prépare votre joint directement sur place. Voilà. Je ne m'y connais pas assez pour vous dire ce que c'est, ce que ça vaut. Je ne m'y connais pas du tout d'ailleurs. Mais si vous avez l'occasion de venir, ben vous posez vos questions. Là, c'est vraiment un domaine où je ne peux pas vous aider. Voilà, là je vous ai amené sur la première artère qui part de la Main Road et qui nous amène jusqu'à la route parallèle à la mer. J'entends parler allemand. Alors, est-ce que vous avez prévu des vacances à Koh Samui prochainement? Dites-moi dans les commentaires pour savoir un petit peu si vous projetez de revenir prochainement à Koh Samui. Voilà. Si on part vers la gauche, on se dirige vers le Koh Kotams où se tiendra aux alentours de 19h30
Alors l'horaire est pas très précis, hein. J'ai tendance à dire 19h30, mais quelquefois il le commence un petit peu plus tôt. Donc je vous conseille de venir en avance si vous avez l'intention de regarder le fire show qui se tient sur la plage. Voilà, je vois que la végétation a bien repris dans ce restaurant qui s'appelle Krua, qui est tenu par des Thaïlandais et des Thaïlandaises en costume de soie. Très joli. Voilà, dans la partie qui longe la mer, eh bien, nous avons des commerces qui se tiennent sur la droite. Bonjour. Je lis sur les lèvres, c'est Emma, ça fait... Et ça me fait sourire. Voilà, ces commerces-là, on les trouve quelquefois également en semaine. Et la partie que l'on vient de voir, là par contre, c'est un marché qui est là spécialement le vendredi. Il se tient également les lundis, mercredis et vendredis actuellement. Et si vous avez envie de marché nocturne, on me pose quelquefois la question. Celui de la Maille, malheureusement, n'est pas ouvert actuellement. Il se tenait le dimanche. Vous êtes sans doute très nombreux à connaître ce marché qui était demeurant très sympathique. Actuellement, il n'a pas repris. On a demandé tout à l'heure aux commerçants ambulants. Ils nous ont dit qu'ils espéraient que ça reprenne dans l'été. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Celui de Mennam, la Walking Street de Mennam, n'a pas repris non plus. Actuellement, vous pouvez aller à Natton le mardi soir si vous avez envie de marcher de street food authentique. Et puis sur Chawen, à proximité du lac, il y a également un marché avec de la street food notamment. Là, du côté des commerces, eh bien, bon, la bonne nouvelle, c'est que comme vous le voyez, tous les magasins sont à nouveau ouverts. Ah, celui-ci, c'est celui qui était en travaux, que je vous avais montré à plusieurs reprises. Eh bien, ça y est, il est ouvert. Alors, Tumlay, Steak and Seafood. Voilà, ça a l'air d'être un restaurant thaïlandais. Sawadika. Tinikin Arai. Tinikin Arai. Tini mi seafood, mi steak, mi fish and chip, mi... Ok, kaponka. Donc voilà, il me dit qu'ici on trouve des fruits de mer, également du poisson et du poulet. Kaponka. Oh, il y a des belles bêtes, hein. Belles bêtes, des belles langoustes ici. Alors, King Lobster, 220 bahts les 100 grammes. Ici, des King Prawn. Et des poissons, tini sibas. Yes, sibas. And snapper, red snapper. Red snapper. Oui. And tini, arai. Sibas. Sibas, yeah. And red snapper, yeah. It's a sibang, the crew. Crew, yeah. Ah, voilà, ils vous les font cuire au grill. Mm-hmm. Et donc, comme ils vendent ça, any fish, 80 bahts les 100 grammes. 80 bahts. Any fish, 80 bahts les 100 grammes. Ah. On a apparemment des combats de boxe de Muay Thai qui reprennent également. Alors ça aura lieu le 17 juillet au stade de Chaweng. Alors si vous n'avez jamais vu un combat de boxe à Chaweng, alors ça commence aux alentours de 21h, pardon. Généralement, ce sont d'abord les jeunes espoirs qui sont présentés. Et les grosses stars, par contre, elles passent vers la fin. Donc ça, c'est un long spectacle qui dure environ jusqu'à minuit. Alors, les constructions et les restaurations, rénovations se poursuivent ici à Koh Samui. Je pense que c'est le cosy qui s'ouvre là. Je suis pas sûre, mais enfin, les propriétaires du cosy en tout cas. Je suis pas sûre, mais ça serait bien possible. Walika. Walika. Si je vous ai déjà parlé du restaurant où on mange très bien ici au fond,
Alors c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de sortir de la rue, on a tendance à rester dans la rue, mais moi je vous engage à vous enfoncer un petit peu. Ça s'appelle le Coco Town. Coco Town. Alors, je rappelle que nous sommes le vendredi 15 juillet. Il doit être environ 18h40 à peu près. Je n'ai l'heure que sur mon téléphone et il est actuellement utilisé comme caméra. Donc je ne pourrais pas vous dire précisément. Je vais essayer de lire sur Hello, de lire sur la montre de quelqu'un. Ah, le Xi'an. Le Xi'an Spa. Je ne sais pas si vous connaissez ce lieu. En fait, c'est un centre de massage et de soins. Et ce que j'aime bien dans cet établissement, c'est qu'à l'étage, ils ont des cabines qui ont vue sur la mer. Donc on se fait masser et on regarde la mer en même temps. C'est chouette. Alors celui-ci aussi a été rénové, un restaurant qui a été rénové, je ne sais pas comment il s'appelle, ça s'appelle le 20 Stories, 20 histoires. Bah, apparemment ils sont aussi dans les fruits de mer. Je revois encore du Red Snapper, les King Crown, et également du crabe bleu ici. Bon, celui-là est bon. Du calamar et des gambas. Ah, beaucoup d'espagnol, hein, c'est déjà plusieurs personnes que je vois qui parlent espagnol. Bah, décidément, les lobsters sont de sortie. 250 bahts, les 100 grammes. Du calamar, du crabe bleu. Si vous ne connaissez pas le crabe bleu, c'est un pur délice. Hein. Essayez. Avec la salade somtam notamment, c'est très très bon. Alors là, je fais un petit clin d'œil à mes amis Ubexon et Pierre-Alexandre, qui se reconnaîtront. Ils ont acheté ici une toile magnifique. Ils m'ont envoyé récemment la photo de la toile placée chez eux. C'était vraiment une pure merveille. Je ne sais pas s'il y a un petit peu l'équivalent, la petite sœur, mais ça va Lika ? Ça va Lika ? Hi Ka ! Hi Ka ! Ah, ok. Should I remove my shoes? Vos shoes? Ok. Voilà, elle m'a autorisé à rentrer pour vous montrer d'autres images. Alors, il fait à la fois dans le. Il est là le peintre d'ailleurs. Il fait à la fois des décorations de visage, il est très, très doué. De l'abstrait, des figures un peu bouddhistes ou de temples. Celui-ci, il est vraiment très beau. Hein. Il a une lumière. Et une épaisseur de grains vraiment super. Voilà. Il est ici. Il travaille. Oh. Ah oui, c'est malin. Allez, on est dans les coulisses. Ça va, Lika ? On est dans les coulisses. Eh bien, en fait, il se fait un petit peu un modèle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pour pouvoir bien centrer le visage qu'il va peindre, eh bien il a un,
pas comment on appelle ça, je dirais un cadre, un modèle. C'est une super bonne technique. Je ne la connaissais pas. Kapunka, see you next time. Ils n'ont pas l'équivalent de ce que mes amis ont acheté. Non, j'aurais aimé vous montrer, mais il n'y a pas d'équivalence. Alors, vous entendez un toutou qui râle. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, le toutou? Qu'est-ce que tu as? Tu n'es pas tout jeune, toi, hein, dis donc. J'ai rien à te donner à manger, j'ai rien, regarde. Deuxième partie de l'atelier est ici. Sawalika. Il est vraiment doué. Il a une image à la gauche de son tableau et il le reproduit. Voilà, les trois gouttes sont arrêtées. Même si les gens ont gardé leur kawé imperméable. Ça vaut pas la peine avec les 28 degrés ou 30 degrés qu'il fait dehors, c'est pas vraiment nécessaire. Ça va les cas. Voilà, comme vous avez pu le voir, à part deux établissements encore en travaux, l'ensemble des commerces de Fisherman Village a réouvert. Je suis déjà, on n'avait pas cette impression là lorsque je faisais mes précédentes vidéos. On n'avait pas cette impression là il y a quelques temps. Et si je suis arrivée à la hauteur du Karma Sutra. Et puis le Karma Deli ici à l'angle. Voilà, et pour ceux qui voudraient voir à quoi la plage de Beaupout ressemble, voilà la plage de Beaupout au moment du coucher du soleil. Il y a pas mal de bateaux qui sont amarrés, vraisemblablement pour la nuit pour certains. Quelques voiliers, ce qui est assez rare. Donc là, je me trouve à l'angle du Karma Sutra et je remonte la rue qui, pour certains, mène vers l'entrée de Fisherman Village. Moi, je la considère plus comme une sortie parce que j'ai plutôt tendance à me garer du côté du Wa. Mais ça vous donne un petit peu une idée de l'ambiance en tout début de soirée. C'est pas encore le moment où il y aura le plus de monde. Évidemment, les gens vont sortir pour dîner et profiter de ce marché touristique. Un nouvel établissement aussi ici qui a profité vraisemblablement d'une rénovation. Quelques boutiques de vêtements par ici, un salon de massage, un magasin qui vend des maillots de bain et toujours le bureau de change. Voilà, le bureau de change, on m'a demandé à combien était le change pour euro-baht. Il se trouve que le prix du dollar et de l'euro sont équivalents actuellement. Je l'ai vu affiché à 36-35 ailleurs et là je vois qu'il
propose à 36,05 le dollar et l'euro. Voilà, c'était donc Emma en direct de Fisherman Village en ce vendredi 15 juillet 2022. Je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de m'adresser un like. Merci pour vos encouragements et vos petits commentaires. Et je vous retrouve à Koh Samui prochainement pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Bye bye. Je suis Emma, je propose Ban Sawadi Villa à la location. Louer ma villa, c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. N'hésitez pas, j'ai testé beaucoup d'excursions et je connais bien l'île. À bientôt !